Bienvenue sur le résumé de la deuxième étape du Tour de Grèce, 165 km entre la capitale de la Grèce, Athènes, et Ithéa. On va encore arriver sur un bord de mer avec la première ascension du jour. Eh bien, la première échappée du jour va se constituer avec 7 coureurs: Elmoz, Johnston, Chirico, Mannion, Lemens, Schwedstadt et Budjak. Mais ils vont être repris dans la descente. Il y a une partie assez longue en vallée et cette partie va permettre à Tsortsakis de sortir. Le grec, il va avoir plus de 1 minute 30 d'avance sur le peloton, mais les formations Trek Segafredo, Bolton et Quitis vont contrôler cette échappée. Après la dernière petite ascension longue de 5 km, il y a eu des attaques, eh bien on a un peloton groupé à Ithéa pour se disputer donc au sprint cette deuxième étape, le deuxième bouquet de ce Tour de Grèce. Et parfaitement lancé par ses équipiers de la Trek Segafredo, le sprinter italien Matteo Moschetti va donc s'imposer facilement au sprint. Il va devancer Andrea Peron de la Novo Nordisk et Filippo Tagliani de la Drôme Hopper. Aucun changement notable au classement général.